Sous les projecteurs depuis les années 1970, Christian Clavier et Marianne Chazelle plaisent aux Français en raison de leurs films populaires, mais aussi comme ex-couple. Une romance très médiatisée qui a duré presque 30 ans et de laquelle est née une fille, Margot, en 1983. La demoiselle, aujourd'hui âgée de 38 ans, a travaillé un temps à l'administration de la société Oui Production, compagnie de son célèbre papa Christian Clavier, rapporte Voici. Puis, par la suite, elle a quitté l'univers du 7e art pour un tout autre domaine, l'humanitaire. Elle a ainsi été administratrice de l'association Global Potential, relatent nos confrères. Une association qui œuvre auprès des jeunes afin de leur offrir des clés pour leur avenir professionnel. Margot s'était associée à ce projet imaginé par une ancienne camarade de classe, Sarah Gogel, et avait même sollicité sa maman pour l'aider à développer la branche France. La comédienne avait ainsi prêté son appartement pour un cocktail de levée de fonds et donné des cours de théâtre à une poignée de jeunes, souligne Le Parisien. La jeune femme, qui est diplômée en philosophie et en anglais, a par la suite mené son combat pour les opprimés via Karuna Session, l'association humanitaire cofondée par le moine français bouddhiste Mathieu Ricard et Shesh Honorable Jam Rinpoche. Je suis totalement en admiration de ses choix de vie, du courage qu'elle a pour faire ce qu'elle fait et des situations très difficiles qu'elle affronte, avait raconté sa maman Marianne Chazelle dans l'émission Thé ou Café. Interrogée sur Europe 1 en septembre dernier, l'actrice donnait quelques nouvelles de sa fille, partie vivre au Tibet en 2014. Elle s'est installée là-bas. Elle travaille là-bas. Elle est passionnée par cette culture. Maintenant j'ai confiance, je sais qu'elle se débrouille, qu'elle est très adaptée, qu'elle connaît les gens. Elle a tout son réseau d'amis et de soutien là-bas. J'ai un grand respect, une grande admiration pour ce qu'elle fait, disait-elle alors. Dans le cœur des Français, Christian Clavier, sur C8 dès 21h15.